Mes chers amis, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et on se retrouve dans une nouvelle vidéo review. Oui, j'étais obligé, elle n'était pas prévue. Mais que voulez-vous, j'étais vraiment obligé, j'étais surtout impatient de vous montrer ce jeu que je trouve absolument magnifique. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Alors oui, je sais, je me répète encore et encore, je vous dis ça à chaque fois que je présente un jeu, que le jeu est superbe, que le jeu est magnifique. Et en même temps, c'est tellement vrai. Et si vous me croyez pas, eh ben tant pis pour vous. Non, mais vous allez le voir, le jeu est vraiment très très beau. Je l'ai vu passer en plus chez les copains et les copines. Et je lorgnais dessus, vraiment, je lorgnais. Et puis je reçois un petit mail pour me dire que j'ai un colis en route. Je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce? Et quand j'ai vu la provenance du colis, je me suis dit, ok, donc je pense que ça doit être ça, à mon avis. Je dois pas être loin. Et gagné. Je l'ai reçu donc ce matin au moment où je fais la vidéo et je suis très très heureux d'avoir ce jeu, de le déballer, de le découvrir. Merci infiniment aux éditions Arcana Sacra pour ce cadeau de non-anniversaire, hein. Oui, parce que mon anniversaire n'est pas encore, hein, c'est que dans 3 semaines, donc du coup c'est mon non-anniversaire. Mais si j'ai des cadeaux comme ça tous les jours jusqu'à mon anniversaire, moi je suis preneur, hein, franchement. Bon, allez, sans plus attendre, vous l'aurez compris avec la miniature de la vidéo, je vais vous faire découvrir un tout nouveau bébé qui vient de sortir chez Arcana Sacra et que vous serez obligé de craquer dessus. Non mais c'est sûr et certain, si vous aimez la nature, si vous aimez les animaux, si vous aimez les jeux qui sont colorés, qui ont une aura, une énergie qui est très douce, je vous dis, ce jeu, quand je l'ai déballé, je sais pas si c'est les couleurs, la thématique, la façon d'avoir peint les animaux ou un ensemble, je sais pas, mais j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un doudou deck qui était vraiment... vous savez, ces doudou decks, c'est ces jeux qui sont ronds, qui sont sucrés, qui sont pleins d'amour, qui vous prennent comme ça dans vos bras, qui... je sais pas, et quand je l'ai vu, bah d'ailleurs, quand j'en parle, j'ai des frissons, mais quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Y a pas d'autre mot, un vrai coup de cœur. Je pense d'ailleurs même que c'est mon coup de cœur du mois de février. Quoique difficile, parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui sont sortis au mois de février. Je sais pas en fait, on va dire qu'il fait partie de mes coups de cœur du mois de février. Alors, il s'agit de l'oracle des esprits guides de Camille Biotet. Regardez, je vous montre le boîtier. J'espère que la caméra fera honneur aux couleurs parce que les couleurs sont vraiment sublissimes. On est sur 50 cartes, on est sur un petit prix, 24 € comme d'habitude chez Arcana Sacra, j'ai envie de dire. Qualité Arcana Sacra, donc on est sur un boîtier très rigide, une boîte cloche avec le petit ruban, maintenant on connaît, hein. Et regardez aussi, on a des illustrations à l'intérieur du boîtier, illustrations qui sont superbes. Superbe, vraiment superbe. Le cheval, je pense que le cheval va beaucoup plaire à ma maman, elle qui adore les chevaux. Et alors c'est un jeu qui va traiter de la thématique des animaux. Des animaux, certains qui existent et d'autres qui vont appartenir au folklore, puisque vous allez découvrir, il y a une licorne, un dragon, un phénix, voilà, des animaux comme ça un petit peu fantastiques. Et je vous cache pas, je vais être honnête avec vous, hein, mais je vous cache pas que niveau jeu sur les animaux, il en existe quelques-uns. Moi-même, j'en ai 2 ou 3, mais je les sélectionne parce que je les aime pas toujours, les oracles avec les animaux, parce qu'on tombe vite dans quelque chose de, je trouve, de cliché, de avec les animaux totems, etc. Je sais pas, y a, soit c'est le dessin, soit il y a une ambiance, soit il y a un truc qui me plaît pas forcément. Et ceux que j'ai, je dois en avoir 2 ou 3, pas plus, qui traitent des animaux parce que je les aime bien. Mais honnêtement, celui-ci, il s'est directement hissé en haut de mon podium parce que vous allez le voir, que ce soit les couleurs, la façon d'avoir dessiné les animaux, de les mettre en scène, tout, j'adore tout sur le jeu, vraiment, il est juste superbe. Regardez, je vous montre le dos des cartes. Pareil, j'espère vraiment que les couleurs vont faire honneur. Le dos est vraiment très très beau. On est sur un mélange de bleu, de rose avec cet aigle majestueux. Vraiment, c'est magnifique. La qualité des cartes, bah là encore, j'ai envie de vous dire, pas de surprise, hein, c'est de la qualité Arcana Sacra. Donc on sait, hein. Si vous le savez, vous le savez, vous avez forcément un jeu de chez eux chez vous. Donc vous savez de quelle qualité je parle. Sinon, si vous n'avez aucun jeu de chez eux, je sais pas quoi vous dire. C'est que vous n'avez aucun goût, tout simplement, hein. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on est sur 50 cartes.
qu'on va avoir un petit guidebook qui est fourni avec. Et le petit guidebook, j'adore. J'adore, il va vraiment à l'essentiel, à ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que dans les premières pages, on va avoir des méthodes de tirage, soit à une carte, soit à trois cartes, soit un tirage qui va s'appeler le cercle de la vie. On est sur de la très bonne qualité de papier, hein, comme d'habitude, papier glacé, imprimé couleur. Et tout de suite après donc les tirages, on va retrouver les illustrations des cartes, illustrations en pleine page avec la signification des cartes. On va aussi retrouver un sens inversé des cartes, donc ça c'est intéressant pour ceux qui tirent les oracles à l'endroit et à l'envers. Et donc dans l'ensemble du guidebook, on va partir à la découverte de toutes les cartes et je trouve ça parfait. C'est-à-dire qu'il y a juste ce qu'il faut en termes d'informations, c'est parfait. Et j'ai envie de vous dire, comme ce que je vous conseille d'habitude, le guidebook, laissez-vous porter par votre intuition. Vous avez forcément eu une expérience particulière avec un animal. Donc vous allez le voir, on va retrouver l'animal sur la pleine page de la carte. Il n'y a pas de bordure, il n'y a rien, comme ça on profite vraiment du dessin avec juste un mot-clé qui est associé. Et ce qui est super intéressant, c'est que le mot-clé n'a pas forcément, comment je pourrais dire, un sens logique immédiat par rapport à l'animal. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir un mot, on va se dire tiens, j'aurais pas mis ce mot pour parler de cet animal. Mais en fait, si, quand on va fouiller un petit peu, et là pour le coup, je vous invite à aller regarder le guidebook pour comprendre la vision de l'autrice, on va découvrir un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus caché qu'il y a derrière cet animal-là. Je vais vous prendre par exemple. Bon, alors c'est un mauvais exemple, mais si je prends l'abeille, l'abeille va avoir le mot constance, et c'est vrai que l'abeille, tout de suite, on l'associe au travail, quelqu'un qui est acharné, quelqu'un qui est solidaire, qui travaille pour sa communauté, qui est très travailleuse, hein, qui est très, qui a comme ça cet esprit, comment je pourrais dire ? Cette conscience professionnelle quelque part. Et en même temps la constance, ça colle tellement bien à la petite abeille, parce que la petite abeille tous les jours de sa vie, eh bien elle est constante dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire que elle se réveille, elle part sa petite ruche, elle part butiner des fleurs ou découvrir d'autres fleurs ou d'autres pôles de nourriture qu'elle va ramener à sa communauté, avec laquelle elle va créer ensuite du miel pour alimenter les futures petites abeilles. Voilà, et ça c'est sa constance de vie tous les jours. Voilà, elle va faire ça jusqu'à sa petite mort, là, la petite abeille. Voilà. Et je trouve que du coup, le mot constance, il est très intéressant et on va retrouver comme ça plusieurs mots. Alors regardez la mouette avec le voyage. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est assez évident, c'est assez facile. Hein. Une mouette, déjà, c'est un oiseau. Donc l'oiseau, on sait qu'il a tendance à migrer, à bouger, etc., etc. Donc le voyage, c'est assez explicite. Le crocodile avec la force, c'est pareil, c'est assez logique. Hein. Un crocodile, c'est quand même réputé pour effectivement être un petit peu fort. Regardez par exemple l'araignée. Alors attention, ceux qui sont arachnophobes, reculez-vous de l'écran puisque je m'apprête à vous montrer quelque chose d'horrible. Mais non, en plus elle est très jolie cette carte bichette sur un fond violet, cette petite araignée là. Et regardez, on a le mot création pour l'araignée et je trouve ça tellement là aussi logique puisque l'araignée elle est connue pour être créatrice, toutes les toiles qu'elle fait, et derrière le mot toile d'ailleurs il y aurait tellement de symbolique et de signification à mettre puisque ça peut être aussi la toile du peintre. Donc ça fait référence ici encore à un aspect de création, vous voyez. On peut vraiment aller très loin en termes de signification et d'interprétation des cartes. Je trouve que vraiment ça dépasse, ça transcende juste l'aspect des animaux et on peut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu que vous allez découvrir dans quelques minutes. Calmez-vous. Et non, vraiment, il est... Que dire. J'adore. Non, vraiment, j'adore. Et vous allez le voir souvent parce que... il me parle, je sais pas, il y a une connexion qui s'est faite avec ce jeu et puis voilà. Bon allez, j'arrête d'en parler, je pense que les images témoigneront davantage que des mots, c'est parti. Thank you.
Bon alors, je vous avais pas dit qu'il était beau ce jeu, hein? Non mais soyez honnête, je sais qu'il vous a fait craquer, je sais que vous mourrez d'envie de le posséder. Rassurez-vous, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour aller retrouver le jeu directement sur le site d'Alliance Magique. Je vous conseille d'aller directement sur le site d'Alliance Magique parce que comme ça, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tierces personnes qui se prennent des frais dessus, hein, je ne vise personne, comme par exemple des très grosses sociétés. Donc allez directement sur le site d'Alliance Magique si le jeu vous intéresse. Bon, je sais maintenant ce que vous voulez avoir, une petite guidance avec. Eh bien, très bien, nous allons réaliser une guidance avec. Comme d'habitude, regardez, je vous montre, la qualité de glisse est parfaite. En termes de... Oh, l'abeille, je l'ai mise à l'envers. En termes de taille, on est sur les tailles standards d'oracle, d'Arcana Sacra. Je pense par exemple à l'oracle des murmures. Voilà, on est vraiment sur un format standard habituel, quelque chose qu'on connaît bien. Ah, alors attendez, on a une carte qui vient de tomber, donc on va la prendre. On a le petit chamois qui nous parle de perspective. Alors, ce que je propose, exceptionnellement, je vais faire une partie à l'intuition, ce que moi je ressens par rapport à l'animal, et on viendra compléter avec le petit guidebook. Et nous avons le guépard avec l'inattendu. Donc, on a le petit chamois et le petit guépard. Regardez ce qui est intéressant. Alors, avant de vous confirmer ça, je vais quand même regarder. Non, ils sont pas tous tournés de la même façon. Ok. Je voulais vérifier pourquoi je vous dis ça, parce que regardez, du coup, le guépard et le chamois, ils regardent tous les deux dans la même direction. Ce qui est assez intéressant, vous le savez, moi je regarde beaucoup dans les jeux s'il y a des flèches, des directions, si les personnages regardent dans une direction ou une autre. Et là, on peut voir que les deux animaux regardent dans la même direction. Ce qui est assez drôle, parce que le chamois et le guépard sont pas forcément très amis dans la vie, hein. C'est-à-dire que le guépard, il aurait plutôt tendance à chasser le chamois. Et bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez la vision d'horreur qui va avec, hein. Mais là, non, on a l'impression qu'ils sont comme soudés tous les deux, comme s'ils regardaient tous les deux, c'est-à-dire qu'ils ne se voient plus comme proie et chasseur. Non, ils ne se voient plus comme ça, mais ils sont attirés vers quelque chose. Tous les deux, ils regardent la même chose. Donc, est-ce que ça pourrait nous parler d'une menace encore plus importante qui fait que le chamois délaisserait le guépard, parce que du coup, le guépard paraîtrait ridicule face à ce qu'il y a? Ou alors, est-ce que tous les deux, ils sont en train de regarder quelque chose qui semble être important pour les deux, mais ici il y a une importance dans le regard. Bon, maintenant on va interpréter directement les animaux. Alors, le guépard, pour moi, il y a cet aspect de chasseur, d'imprévisible. D'ailleurs, hein, on a le mot-clé inattendu qui va avec le guépard, et ça va bien puisque la plupart des félins ont un comportement qui est assez imprévisible, j'ai envie de dire, hein. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, hein. Ceux qui ont des chats, vous savez de quoi je parle. Donc effectivement, il y a un aspect ici un petit peu d'imprévisibilité, quelque chose qui ne peut pas se prévoir et quelque part se préparer aussi à l'imprévu et l'inattendu. Et la perspective colle bien, je trouve, aussi avec l'inattendu, parce que le petit chamois, on sait qu'il a tendance à grimper absolument de partout, à se percher sur des hauteurs pas possibles, et on se demande même comment est-ce qu'il est arrivé sur des trucs pareils. Juste pour votre culture, j'ai vu une vidéo là, il n'y a pas très longtemps, justement, de petits chamois. Vous verriez, ils sont en train de grimper la paroi d'un barrage. Oui, un barrage. Vous savez, les barrages pour retenir l'eau, hein, les barrages qui ont quand même une paroi à 90 degrés. Et ben, on voit les chamois qui sont en train de grimper la paroi du barrage. J'ai vu ça, je me suis dit, non, mais ils sont exceptionnels, ces animaux. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse culture. Et donc, la perspective pour le chamois colle bien dans le sens où il faut savoir prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir superviser ce qui est en train de se passer. Et comme tous les deux, ils ont la même vision qui est tournée dans la même direction, on a cet aspect de regarder, de superviser. Et pour davantage superviser, il faut savoir aussi prendre de la hauteur, prendre une certaine perspective ou changer sa perspective pour avoir une vision d'ensemble. Surtout là, si on nous parle d'un potentiel danger,
danger, d'une potentielle menace ou de quelque chose voilà qu'il faut surveiller un petit peu de près. Si on le regarde comme ça juste à notre niveau, on va peut-être pas forcément tout voir, hein. Je prends un exemple très concret. Imaginons que vous ayez, je sais pas moi, l'armée du roi Arthur qui est en train de se préparer. Si vous voyez juste les bonhommes qui sont sur le front, vous allez vous dire oh, bah, l'armée elle semble pas très impressionnante. Mais si vous prenez de la hauteur et là que vous voyez 10 000 hommes derrière, vous dites ah ouais, ok. Bon, là j'ai employé une image assez forte, mais ça peut être valable dans l'autre sens. Quand je vous cite souvent l'aspect de la montagne, que si vous êtes au pied de la montagne, elle vous paraît immense, mais si vous prenez un petit peu plus de perspective, elle va vous paraître beaucoup plus petite. Et bien dans la vie, c'est exactement pareil. Si vous êtes face à une difficulté, ne foncez pas tête baissée comme un guépard par exemple pourrait le faire. Un guépard quand il est lancé, d'ailleurs c'est un des animaux qui court le plus vite au monde. Donc une fois qu'il est lancé, non, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez, analysez la situation. Et la meilleure façon d'analyser la situation, c'est justement de prendre un petit peu de recul, de la hauteur pour superviser ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est mon interprétation. Maintenant, on va regarder avec le guidebook. Alors, la perspective. Le chamois. Du haut des cieux, vous contemplez le reflet du monde. Un pas dehors, un pas en dedans, vous savez prendre des décisions sans hâte et en connaissance de cause. Tout vous semble plus rapide à accomplir et vous demande moins d'efforts. Il est plus évident à présent d'assembler les éléments en une grande fresque sans laisser de morceaux de côté. Faute de savoir quoi en faire, vous habitez sans peine votre âme. La sagesse est là, haute et fière. Vous sentez bien que vous avez passé un palier, vous n'êtes plus le même qu'hier. Votre vision s'est élargie et embrasse désormais tout ce qui vous entoure, plus rien ne vous échappe. Pourquoi ne pas profiter de ce point de vue? Le chamois vient vous montrer que vous avez avancé sur la voie, que de belles étapes ont été franchies avec succès et que plus vous marchez, plus vous vous élevez. Le haut de la montagne n'est pas encore atteint, vous devez le garder en vue, mais il est temps actuellement de profiter de l'escale et de prendre en considération le long trajet que vous avez mis derrière vous et qui n'est plus à entreprendre, les victoires sont éternelles. Bon, vous le voyez là mon sourire parce que vous l'avez compris, hein, c'est exactement l'interprétation que j'avais du chamois et que je vous ai dit. Voilà, donc c'est parfait, je suis connecté au jeu, c'est très bien. Ensuite, on va aller voir le guépard. Donc guépard, G. Oui, parce que dans le petit guidebook, les cartes sont classées par ordre alphabétique, mais on n'a pas le nom des animaux sur les cartes. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est assez facile à reconnaître. Hein. Enfin, je veux dire, si vous intéressez un tant soit peu au monde des animaux, vous êtes censé reconnaître quand même l'animal sur la carte. Hein. Et du coup, par contre, sur le guidebook, on va avoir le nom de l'animal qui est rangé par ordre alphabétique. Donc guépard, chou, gorille. Je dois pas être loin. Alors, ah bah tiens, guépard. Impeccable. À la vitesse de l'éclair, le guépard fonce sur sa proie. Il est rapide, tenace, précis, mais peu endurant. Quand il vient vers vous, c'est pour vous préparer une nouvelle aussi soudaine qu'inattendue à des changements rapides. Un problème non résolu ou un projet immobilisé pourrait bien se débloquer soudainement. Vous pourriez retrouver un objet égaré ou une personne perdue de vue. Un coup de foudre amoureux est possible, tout peut arriver très vite comme une tornade. Le guépard ne frappe pas au hasard, il choisit ses proies. De même, ce qui vous attend ne sort pas de nulle part, vous l'avez mérité. Attendez patiemment, ne cherchez pas à provoquer votre chance, elle est en route. Le guépard peut aussi vous conseiller d'être plus attentif à un projet en cours. Assurez-vous d'avoir étudié tous les points de vue et d'avoir vérifié le moindre détail avant de vous lancer dans la course. Pour être efficace sur une courte distance, il faut s'être préparé et être sûr de sa trajectoire au risque de rentrer bredouille. Bon, alors, ça me fait encore sourire, puisque je vous disais justement que le guépard, le fait de ne pas foncer tête baissée, hein, de réfléchir, etc. Donc, voyez, non, mais c'est comme ça, on est bon ou on n'est pas bon, et puis voilà, c'est tout. Non, en fait, j'avais appris le guidebook par cœur, c'est pour ça. Pas du tout. Non, mais du coup, voilà, le message, il est plus que clair, et si on pouvait le résumer en quelques mots, ça serait de prendre le temps de faire les choses, de bien analyser, hein, puisque je vous rappelle que ici on a les deux animaux qui regardent dans la même direction. Donc regardez bien, faites bien un tour des choses, ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien, mais au contraire prenez un point de vue différent, une perspective différente pour avoir une vue d'ensemble, pour bien analyser ce qu'il se passe ou ce qu'il se prépare, afin que vous-même vous puissiez vous préparer et mettre en place des stratégies pour eh bien le périple qui vous attend. Voilà donc mes chers amis pour cette présentation de l'oracle des esprits guides que j'adore, franchement j'adore. Ça sera le seul mot que je vais ajouter, j'adore, c'est tout. Allez, sur ce, moi je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.